Bien, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler d'une machine à laver. Une très bonne machine à laver. Qui consiste à. En plus, c'est une machine à laver où on peut mettre plein de gens dedans. On peut mettre 100 personnes, voire 200 personnes. Une machine à laver qui permet. Ben, qui permet quoi? Allez, on regarde. La machine à laver, c'est une église. C'est une machine à laver nos péchés. Les choses qu'on fait de mal aux gens. Et puis le dimanche matin, on vient se frotter les mains, parler à un gars qui, ma foi, je sais pas, qui n'existe peut-être pas. Mais on ne peut pas savoir. Mais le problème, c'est que. Les gens, ils viennent, ils font des conneries la semaine, ils font du mal aux gens. Et le dimanche matin, ils viennent se faire pardonner, laver leurs péchés dans cette super machine à laver qu'est la religion. Chrétien, musulman, toutes ces religions qui n'ont aucun sens au final, parce que le message est comme je disais dans une autre vidéo. Et cette super machine à laver, il faut arrêter. On est au 21e siècle. La religion, je pense qu'il faut arrêter. Parce qu'elle nous a montré depuis la nuit des temps que ça existait, qu'il y a plein de guerres à cause de ça. Il y a des gens qui se tapent sur la gueule depuis des années, des milliers d'années, entre guillemets, sur la gueule parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur religion. Je trouve ça complètement débile. Je m'intéresse beaucoup à l'astronomie, hein, vous savez. Et pour moi, ben, la vie elle est comme ça, la science, point barre, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et pourtant, j'aime énormément la mythologie nordique, mais pour moi c'est intérieur, c'est quelque chose, je crois intérieur, je ne pourrais pas expliquer ça comme ça, il faut avoir une conversation avec des gens, j'arrive à expliquer le ressenti que j'ai par rapport à ça, mais voilà. Mais cette machine à laver là, il faut enlever, il faut la débrancher. Les gens, ils réfléchissent aussi par eux-mêmes. Parce que une connerie qu'on fait, la première fois c'est une connerie. La deuxième fois c'est un choix. Et quand on fait du mal à quelqu'un, on fait des choses. Le fait d'aller se laver les mains à l'église, le fait de se laver le crâne. Ne sert simplement à rien, le mal est quand même fait. Et c'est quand même débile, ce genre de choses. Après, il y en a qui vont à l'église pour soi-disant se rapprocher. C'est des conneries, putain. Il n'y a pas la wifi dans l'église, hein. Il n'y a pas de Bluetooth. Faut arrêter. C'est mon avis. Ouais, ça peut être un peu violent ce que je dis, mais moi, c'est ma façon de penser. On enlèverait la religion de notre monde. Ben, il irait 50 à 70 fois mieux. Et il y aurait moins de conneries, il y aurait moins de guerres, moins de débiles qui servent à rien. Mais voilà. Bref, moi je vous laisse, je vous dis prochaine. Alors ouais, ça fait longtemps que je voulais parler un peu de religion, mais j'en ferai pas beaucoup parce que je pense que je vais quand même avoir certains problèmes avec des gens qui vont me laisser des commentaires. Voilà, après ils font ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent, je pense ce que je veux. Moi c'est juste mon avis, je suis pas là pour. Je suis pas là pour faire changer la vie des autres. Moi le but de la chaîne c'est de parler de survivalisme, de faire découvrir des techniques, des différences. J'aime aussi parler de l'actualité, ça fait un moment que j'en ai pas fait, bon, c'est histoire de remettre un petit peu de vidéos aussi hein, sur YouTube. Bon voilà, mais bref. En tout cas, c'est la machine à laver, faut l'enlever, ouais, faut la débrancher. Parce que bon, oui, il faut changer de lessive. Oui, il faut changer de lessive, parce que c'est moyen. Hein. Voilà, je m'en vais. Macron.
Ouais, mais c'est ça qu'il faut faire. Le lavage avec Macron. Ouais, lavage de cerveau. Allez, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine et puis soyez survivalistes. N'hésitez pas à me laisser les commentaires un peu sur ce que j'ai dit, ça m'intéresse quand même d'avoir votre avis. Mais voilà, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao, portez-vous bien. Ciao.